Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Mais Younes, tu m'as réveillé là, je suis fatiguée. T'inquiète pas, je t'ai pas réveillé pour rien. Aujourd'hui, Myriam, grosse journée. On va manger spécialement tacos toute la journée. Oh, on l'a dingue. Alors, je t'ai pas réveillé pour rien. Non, mais attends, on a pas oublié quelqu'un. Oui, Yacine aussi. Salam la famille, j'espère aussi que vous allez bien. Donc moi, je vais m'occuper du petit déjeuner pour le tacos. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. C'est parti. Pour le petit déjeuner, Younes et Myriam vont devoir faire un tacos sucré. Donc, je vais aller directement leur prendre les ingrédients. Donc on a directement des Smarties et des M&M's. En vrai, je vous dis la vérité, dans un tacos sucré, mettre ça, ça peut être trop dur et du coup, ça va être compliqué de les manger. Parce que t'as vu, quand c'est dur, c'est pas bon, faut que ce soit moelleux. On a directement des chocobons ici. Franchement, les chocobons, en termes de chocolat, c'est dans mon top 3. C'est-à-dire que c'est incroyable. Donc les chocobons, ça peut être quelque chose de pas mal. Mais là, regardez, on les a en white. C'est-à-dire que je sais pas si je leur prends en mode white ou en mode chocobon. Franchement, les gars, je suis en stress parce que si je prends des mauvais ingrédients, ils vont dire c'est moi qui ai gâché le tacos. En vrai, vous aurez pris quoi dans les commentaires? Dites-moi dans les commentaires, vous aurez pris quoi? Oh, regardez, il y a une pâte tartinée carambar. Je savais même pas que ça existait. En gros, c'est un carambar qui est en mode pâte tartinée. Il y a aussi du Nutella, ça c'est la base. Et après, on a du miel. Le miel, ça va faire trop sucré, c'est mort. Pâte tartinée de noisette comme les Kinder Bueno qu'on a à l'intérieur. J'ai pris des Kinder pour le tacos sucré. Je vais rajouter des bonbons parce que les bonbons, c'est la base. Par contre, si je leur prends ça, l'église, je sais que je vais signer mon arrêt de mort, donc c'est mort. A few moments later. Mon rêve se réalise. Autant de sucre, ça fait plaisir. T'es sûr ou pas que tu peux? Oui, je suis guéri, les gars, je suis plus drogué du sucre, ça y est. Alors pour le matin, je vais me faire un bon petit tacos. On va commencer par la sauce fromagère qui est la pâte à tartiner au chocolat blanc. Waouh. Wow. En gros, Younes, t'es sûr à 100%? T'inquiète pas, Myriam, je te promets que je suis guéri de cette maladie. J'avais une maladie avant, c'est vrai, je faisais des crises quand je mangeais du sucre. Mais là, vous inquiétez pas, j'ai guéri. On commence par mettre la petite sauce fromagère. Là. Oui, mais non, en fait, j'en mets pas beaucoup parce que je vais accompagner ça de spéculoos. Yacine, t'as un bon spéculoos avec du chocolat blanc. Regardez, ça c'est la première combinaison. Ensuite, les amis, on va prendre de l'Oreo, du fake Oreo au chocolat blanc. Bah attendez, mais là tu prends des dingueries là. On va le casser, on va faire des petites miettes comme ça. Ça va être une dinguerie. Et par contre, il y a un fast-food qui vole ma recette. Merci. Il est grave bizarre, on lui vole sa recette et il dit merci. On va prendre un peu de savane. Mais qu'est-ce que tu prends des risques là? Prends des risques. Est-ce que tu connais celui qui faisait ça? Tu connais pas celui qui fait ça? Tu connais pas? Mais Myriam, tu connais rien toi dans ta vie. Et on va aussi ajouter, les gars, tablette de chocolat Ferrero Rocher. Voilà, du bon Ferrero comme ça. Et là, il manque une petite touche. À ton avis, c'est quoi qui manque? Du Twix. Comme ça, tu vois. Maintenant, on va le refermer. Les bonbons, ça sert à rien de les mettre, les mahouam et tout. Ça met trop de trucs, ça. Ça, hop. Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait un tortilla, c'est un tortilla. On envoie ça à la machine à tacos, les amis. Et on se retrouve après. Le tacos vient de sortir, les gars, je rajoute. Mais t'es sûr? Des chocobons dessus. T'es sûr ou pas? Je suis sûr de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es sûr que tu pourras manger sans faire une crise? Oui, Myriam, je suis guéri. J'ai été voir un médecin, je rigole, mais je suis guéri. Allez, on va se lancer. T'es sûr? T'es sûr? Oui, je suis sûr, t'inquiète. T'es sûr encore une fois? Je te le redis avant que tu crois que t'es sûr. Oui, Myriam. T'es sûr? Voilà, les gars, je savais. Il est pas guéri, lui, c'est un menteur, c'est juste pour faire un croc. Eh oh, du sucre, je veux du sucre. Non, non, réveille-toi. Le tacos, je veux du sucre. Je vais aller faire mon tacos et on va le laisser comme ça parce du sucre. Que. Lâche-moi. Du sucre, on te regarde, c'est parti. Déjà, on va commencer par la crème fraîche. Tu vois, genre, c'est la crème fraîche. Les gars, c'est un banger. Ça, c'est. Vous savez, c'est quoi ça? À l'intérieur du Bueno, là, et bah, il y a ça. Vas-y, bah, mets un peu de crème de noisette pour faire la sauce fromagère. En vrai, ça commence bien, j'aurais fait la même chose personnellement. Ensuite, je pense, en vrai, on va faire une base Bueno. Une base Bueno, carrément. Ouais. Et déjà, est-ce que j'ai fait le bon choix de te prendre ces ingrédients là ou pas? Très clairement. Mais tu veux pas faire un combo Twix, pâte à tartiner Twix aussi? Bah non, c'est pas bon. Oh, j'avoue, ça doit être incroyable. J'ai une technique, les gars, pour ceux qui font des tacos sucrés, vous faites. Oh là 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 là. Eh, je vous promets que ça a l'air d'être une masterclass. Vous je crois qu'on m'appelle. Allô? C'est qui? Ah, le diabète! Oui, c'est clairement ce qu'on fait là. Ok, d'accord, pas de soucis. C'est le diabète, il a dit qu'il allait venir participer à la dégustation. Alors, tu préfères chocobon white ou chocobon normal? Bah en vrai j'ai pas goûté. Chocobon white, ça a l'air d'être incroyable. Tu continues? Mais mélange trop de trucs là. Fais gaffe, après ça peut être dégueulasse si tu mélanges trop de trucs. Hein. Quelle quantité? Je vais mettre un carreau quand même. Prendre un biscuit, ça, et je vais le casser. Je sais pas casser. On va te disposer un peu partout du biscuit cassé, la famille. Voilà, le tacos est plié, il est juste ici. Chauffe tacos. Chauffe tacos, ça s'appelle un. Il n'y a plus qu'à patienter, je pense qu'on est sur une masterclass. Le tacos est cuit, masterclass, les gars. Qui aurait pu imaginer un tacos sucré pour le matin? C'est oui, incroyable. Je l'ai cuit grave vite. Donc là, Myriam, ce que je te conseille, c'est de mettre une petite pâte à tartiner juste ici, là, pour le gratiner. C'est parti, les gars, on met du Nutella juste par-dessus. On est parti pour la dégustation, maintenant, on va tester. Eh, franchement, j'ai un bol de lait par-dessus. Mais dis pas que tu vas faire ce que je pense. Mais non. Elle va tremper un tacos dans du lait, frère. Ok, attention. Oh là là là. Attends, mais ouais, mais tu devrais croquer au milieu pour avoir tout. Attends, d'abord on va croquer là et après je fais un bicro et après ça va là au milieu. Oh, il y a du croquant, on entend le croquant, on entend le croustillant. En fait, soit c'est un flop, soit c'est une masterclass. À mon avis, c'est quoi? Masterclass. Oh là là, j'ai senti dans son croc. Je ressens le Bueno. Le Bueno, c'est celui qui prédomine. Le Bueno et le Maxi. C'est bueno. Un mélange incroyable. Oh là là. Hey, je sais que vous avez votre écran, vous kifferez de pouvoir goûter à ce tacos, les gars. Myriam, tu vas où? Wesh, à ce point-là! Et ça me donne trop envie de croquer. Vas-y, croque! Non, 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 non!
Mince. La note est de 1000 sur 10. 1000 sur 10 Rien pour le midi, pourquoi vous voulez pas essayer chamas tacos? Bah qui a dit qu'on allait pas le faire? Ça a l'air incroyable chamas tacos, c'est quoi n'est pas chamas tacos les gars, vous connaissez pas? Les amis, ils font des tacos gratinés, il y a des oignons crispy, de la raclette. Mais c'est du jamais vu, mais ils sont trop forts au chamas tacos. Eh, j'ai trop le seum de pas pouvoir goûter. J'ai même des tenders, des wings, regardez les gars. Il y a des frites, et c'est quoi ces frites par contre? Frites, vous avez rajouté des cornichons? Non, 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 là, vous respectez personne là. Oh, pour le midi, on va se régaler. Oh. Mais attends, mais Younes, t'as encore commandé toute la carte. Mais on est obligé pour bien goûter, Myriam. Faut bien goûter toutes les saveurs, si on prend qu'un taco, c'est pas drôle. Mais toute la carte quand même. On va commencer la famille par le premier, le Tarty Crispy, qui est celui-là. Il est fait incroyablement, il est incroyablement beau, regardez. Poulet mariné, on a du fromage au-dessus, des lardons. Et au tacos, ils font pas ça au tacos? Non, je pense que c'est plus bon qu'au tacos chamas. Parce qu'ils sont un petit peu plus professionnels. Mais le nom, il fait rire. Chamas. Allez, on va le découper. On va voir si à l'intérieur, les gars, ils ont mis que des frites comme au taco, si c'est de la douille. Non, je pense pas. J'espère qu'il y a du oh, poulet. Oh non, non, il y a grave du poulet. Oh, il y a du poulet et beaucoup de frites. Hein. Ça, c'est la vraie technique des douilleurs. Eh, mais attends. Avant, faut toujours dire bismillah. Oui, dites-vous, il y a des gens qui disent voyons voir avant de manger. Vous êtes des malades mentales. Vous voulez que je vous montre si vous dites pas bismillah au nom de Dieu avant de manger ce qui se passe? Vas-y, on l'a fait. Là, je vais manger mon tacos tranquille. Je suis le diable. Mange ton tacos sans dire bismillah. Mange. Voyons voir si c'est bon. Bismillah. Voilà ce qui se passe quand vous oubliez de dire bismillah. Donc vas-y Myriam, goûte celui-là. Celui-là c'est mon préféré, c'est celui qui m'a donné le plus envie les amis. Oh là là, il y a du poulet mariné dedans. J'ai envie de croquer mais je vais la laisser donner son avis parce qu'après on va dire que moi je dis toujours mes avis, elle dit toujours comme moi. Le poulet mariné, il a un goût de piment. Attends, je suis obligé de goûter. Bismillah. Il n'a pas un goût de piment, il a un goût d'épicé. Ton palais il est cassé ou n'importe quoi. Ah si, elle a raison. Voilà. C'est relevé. Pour l'instant, celui-là, il est beaucoup plus bon qu'au tacos. On dirait qu'à l'intérieur, ça a le goût d'un gratin. Tu trouves pas comme à moi, fait le gratin, non? Les frites, genre, se fond dans le gratin. Eh oui, c'est ce que je t'ai dit. Les gars, c'est trop bizarre. D'habitude, quand tu manges un tacos, t'as le goût de la viande. Là, non, on a le goût d'un gratin. Genre, c'est trop stressant. Ouais. Bon, en tout cas, celui-là, je mettrai la note de 8 sur 10. Le gratinage au-dessus, on sent bien les bacon, ouais, les fromages. Attends, c'est halal? Oui, chamas tacos, c'est halal, frère. Ensuite, ici, on a une tortilla. Tortilla. Petite tortilla. Bah, chamas tacos, ils font quasi tout. Hein. Ouais, j'ai voulu prendre des trucs qui se rapprochaient plus des tacos. J'ai pas voulu tricher. Celle-là, c'est une tortilla au kebab. Oh non, c'est faux, t'as pas fait ça. J'espère qu'il y a des frites dedans. J'espère qu'il y a des frites pour plus de gourmandise. Waouh, là par contre, ça me donne plus envie que le tacos, Myriam. Okay. Kebab. On va prendre un. Oh, c'est trop chaud par contre. C'est chaud? C'est vraiment trop doux. C'est entre un kebab et un taco, genre, c'est incroyable, les amis. Regardez le kebab, comment elle est bonne la viande, la fumée. Mais toi, ton palais, wesh, c'est pas très très chaud, tu peux y aller, t'inquiète pas. Hein. Tu vas kiffer, Myriam, tu vas kiffer. Il est trop trop bon celui-là, les gars, on a payé 42€ pour tout ça. Je sais pas si pour vous c'est cher, mais en vrai, il y a 4 tacos, ça fait presque 11€ le tacos. Dites-moi si c'est cher et c'est des tacos, une viande, attention. Ça fait un mélange entre le tacos et le kebab, genre on dirait un peu des deux. Mais je viens de le dire, pourquoi tu recopies toujours ce que je dis? Je comprends pas. Bah, c'est la vérité. Pour l'instant, tu préfères chamas ou au tacos? Pour l'instant, désolé, je préfère chamas. Pareil, on enchaîne. Avec celui-là, je vais te laisser la responsabilité de le couper proprement en deux, okay, Myriam. Okay. Vous avez vu, il y a toujours un petit gratinage au-dessus, c'est ça que j'aime bien. Toujours ouais. Le petit gratinage. Donc celui-là, on a cordon bleu, Iggy, mayonnaise et gratinage émental, les frères. Oh là 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 là, vas-y, montre-leur. Montre qu'il y a que des frites. Est-ce qu'on voit le cordon bleu? Ouais, on voit le cordon. On croque toujours ici, là, c'est la meilleure partie. Bismillah. Il est bon celui-là, mais c'est pas un truc de ouf. Hein. Plus pour les enfants, ça. Moi, j'aime pas cordon bleu dans un tacos. Il sauve. C'est la sauce fromagère, on en a pas parlé, Myriam. T'en penses quoi de la sauce fromagère de chamas tacos? Sauce tacos, tu vois, moi je préfère leur sauce fromagère parce que je trouve que leur sauce fromagère a un petit peu plus de goût. C'est vrai, Wallah a la raison, ça a le bon goût du fromage, le gratinage au-dessus. Si vous prenez chamas tacos, c'est 1€ de plus, les gars. Prenez le gratinage. C'est ultra alors, bon. Alors qu'attends, alors au tacos, la fromagère, on l'a senti comme du rayon. Comme un produit chimique ouais, bizarre, ouais. Genre. Et moi, je prends pas de cordon bleu dans un tacos, c'est mort. Et là, Myriam, je te laissais le dernier. Ça, c'est un taco. Tacos raclette, incroyable. Dedans, on a de l'escalope, du curry, la mayonnaise pour un total de... C'est 10,90€. Je m'en fous, je prends cette partie. Non. Ah, ça se fait pas. T'as vu le poulet à l'intérieur, comment il est gros? Vous avez vu le gros bout de poulet? Waouh. Ils ont mis un supplément lardon alors que je leur ai même pas demandé. T'as vu la sauce curry dans un taco, c'est pas une masterclass? De fou. J'ai découvert un nouveau combo les gars. Prenez sauce curry. Si votre haut taco se fait le sauce curry. Prenez sauce curry les amis. Retape un croc, celui-là c'est le meilleur. T'as vu on change ton goût taco? Non, moi ça t'a mis ta bouche bizarre, moi je garde mon. Comment ça on change? Pourquoi tu veux qu'on change? C'est quoi le délire? Moi j'aime pas qu'on ait des gros bouts. Mais tu me donnes le bout, comme ça. Et tu gardes ton tacos. Montre-toi. Non moi c'est bon, t'inquiète pas. Attends, monte, je veux voir. Attends, avant, bismillah. Je vais voir si mon. Je voulais juste voir si t'as plus de lardons. Regardez. Ouais, il y a plus de lardons.
Non, Myriam, non, non. Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on s'embrouille en pleine vidéo? Ça tourne mal, c'est ça, c'est ce que tu veux. Mais t'as ton physique. Tu commences à faire n'importe quoi. Quand ça moitié, ça quand ça part. Les gens rigolent pas avec la nourriture. Mais sérieux, moi, c'est pour la nourriture. Pour ma part, Chama Staco, c'est 9 sur 10, faut le reconnaître. C'est incroyable, les amis. Regardez, même sur leur serviette, on a oublié de le dire. Chama Staco, ne pas finir de te régaler. Ils m'ont régalé, les chais, ils m'ont régalé. A few moments later. Oh lolo lolo, mais en plus il a mis la mâche. Myriam, il doit être en train de faire un de ses rêves. Ah ouais, vas-y, je me mets ta main sur sa tête pour voir il fait quoi comme rêve. Myriam, on va faire une course toi contre moi. On va voir si tu peux me battre au Ninja Warrior. Bah t'es vieux, tu cours pas vite. Quoi? Vas-y, ok. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Wesh, 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 wesh. Accélère Myriam, accélère. Dépêche Myriam, dépêche. Et c'est parti. Oh le malade mental. Accélère Myriam, accélère. Allez Myriam, dépêche. Dépêche Myriam. Oh là là là, il l'a déjà rattrapé. Accélère Myriam, accélère-le. Ok, moins un pour Yacine. Yacine, tu reviens. Tu reviens au mur, tu vas toucher là-bas. Vas-y Myriam, accélère, tu peux gagner Myriam. Ok, c'est pas. Je vais passer dans ça, Guinée. Ok, accélère. Bien joué. Attends les gars, Myriam, tu vas peut-être gagner. Fais gaffe, il arrive. Tombe pas. Tape sur buzzer. Ok. Non, faut. Mais non, là, c'est. Bah descends Myriam sans te faire mal. Ok, bien joué. Eh, hey, t'as mis une soupa parce que toi, t'es un tricheur. Pourquoi? Tu m'as dit de revenir taper le mur. Mais t'es tombé. Fais éteindre par Myriam. Fais quoi? Ça va, t'as fait des beaux rêves. J'ai rêvé que Myriam m'avait battu à la course. Wesh. Heureusement que c'était un rêve. Je trouve que vous vous régalez un peu trop là avec les tacos. Du coup, on va faire un tacos à l'aveugle. Oh non! J'ai pris le bandeau juste ici. On est parti. On va te bander les yeux. Ah, moi je le mets, c'est moi. Doucement. On est déjà, c'est un 24 heures tacos. Normalement, on est censé se régaler. Tu vois rien là. On est d'accord que tu vois rien là. Non. Si je te fais ça, tu vois pas. Okay, on est parti directement pour le tacos à l'aveugle, Myriam. Déjà, pour la sauce, tu vas choisir un chiffre entre 1 et 6. Ah, elle commence pas à lever ta tête vers le plafond. Hein. Arrête, tu vas voir. Comment ouais, j'ai les yeux fermés. Choisis que le chiffre quoi alors? 1. 1. Ok. 1. Ça va tomber. Cette sauce là les amis. Sauce. Oh là là. Oh là là, la première sauce, c'est carré dans l'axe. Est-ce que tu veux une deuxième sauce, oui ou non? Non. Deuxième sauce. D'accord. Juste tu veux une sauce. Ensuite, deuxième ingrédient, oui ou non? Non. Oh Myriam. Okay. Ok, on n'a pas regardé. Troisième ingrédient, oui ou non? Non. Elle va dire toujours non. Quatrième ingrédient, oui ou non? En vrai, bon, pour prendre des risques, oui. Ok, ok. J'ai peur. Comment ça, t'as peur? Hey, tu m'assures que tu vois pas, Myriam? Oui, oula, je vois pas. À tout moment, c'est du chocolat. Elle a dit, oula, je vois pas, c'est carré. À tout moment, c'est du chocolat. Tu vas mettre tout, Yacine? Non, j'en mets que deux. Ok. Quatrième ingrédient, oui ou non? Non. Un ingrédient, oui ou non? Okay, oui. Yes. Oui. Elle a dit oui. J'ai pas la dose dans les mauvais ingrédients, c'est des mauvais, c'est des bons, mais la dose. Si tu réponds bon à la question, t'as le droit de choisir un ingrédient de ton choix. Okay. Tu vas devoir me citer trois joueurs de l'équipe de France. Giroud. Ok. Mbappé. Ok. Et Dembélé. C'est gagné. 10, 9, 8. Oh la zone là-bas. Ok, recache. Elle a décidé de rajouter de la brochettas de pollos. Pollos, c'est quoi le pollos? Ça a l'air d'être, je vais pas trop l'aider, mais ça a l'air d'être une masterclass. Younes, tu vas devoir choisir un ingrédient de ton choix. Là, je sais pas si je fais le Hagar ou pas. Myriam. Please. Je suis pas. Faut être gentil dans la vie. Et parti. Dernier ingrédient. Oui ou non? Oui. Okay. On va devoir le refermer. Myriam, je vais te demander de partir s'il te plaît. Mais comment elle connaît la route si tu vois pas? C'est un piège. Comment tu connais la route par cœur si tu quelle vois route? Pas? Mais quelle route? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Faut. Et là, va faire genre qu'elle fonce dans le mur. C'est bizarre ça. Les gars, dites-moi si elle a triché à votre avis ou pas. Le taco c'est prêt la famille, donc Myriam, j'ai un gros défi pour toi. Tu vas goûter le tacos qu'on t'a préparé. T'arrives à me dire trois ingrédients présents dans le tacos. Younes a un énorme gage. Est-ce que j'ai le droit de le couper et regarder? Non, tu dois goûter. Non. Et ton premier croc, tu dois devoir nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dedans pour que t'as pas le droit de regarder, d'accord? Okay. Allez, c'est parti. Il est un peu chaud, donc fais attention. Déjà, il est pas de gros déjà, il est plus grand que maman. Ouais, il est super gros, mais par contre, il est un peu chaud, donc fais attention. Déjà, je vais regarder à l'intérieur du Nutella s'il a été ouvert. T'as pas le droit de faire ça. Elle a pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. J'ai le droit. Tu vas être disqualifié, c'est toi qui auras le gage. Par contre, si j'ai un gage, tu vas souffrir. Crois-moi que tu vas courir. Oh. J'aimerais pas être à la place de Younes. Okay. Bismillah. Ferme les yeux. Yeah. Ok. Ok, j'intercepte le tacos. Regardez la famille à l'intérieur du tacos. Comment il est incroyable. Oh, t'as pas un croc? Déjà, il y a ça. Le poulet, ok, ça fait un. Elle est en train d'hésiter, hein. Younes, il tremble derrière la caméra. Oh, t'as pas un croc? Ouais, vas-y. En fermant les yeux. Ok. Les chips? Ils sont tous croustillants et ça pique. Elle a trouvé le deuxième ingrédient, la famille.
Oui, c'est ça. La sauce, c'est... Hein? Ton dernier mot? Ouais. Et c'est gagné! Je vais devoir manger des trucs grave appétissants qu'il choisit. Je vais devoir les manger devant lui. Ah, tu peux pas me faire ça, Myriam. Si, je peux. Vas-y, je m'en fiche. Mange. Pff, allez, Younes, tu peux le faire. Des ingrédients que t'aimerais bien manger. Mange un Kinder comme ça. Mange ça devant moi. Allez, vas-y. Rien, Younes. C'est rien du tout. C'est rien. Rien. C'est quoi? C'est du sucré? Croque. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ça te fout pas trop la rage? Ça sent le sucre. Ça non sent le sucre. Les gars, là, c'est en train de tourner à la catastrophe. Mais s'il m'en veut trop parce que j'ai mangé un truc devant lui. Les gars, mettez plein de likes. Je sais qu'on vous le demande pas très souvent, mais mettez plein de likes. Et mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse un 24 kebab. Et aux 5000 likes, on fait un 24 kebab, ok?